Bial, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World, et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifico, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo totalement classique. Vraiment, c'est pas du tout un épisode bonus, c'est même pas une vidéo spéciale. Voilà, je préfère vous le dire, que je sais bien qu'il y a des gens qui aiment bien les trucs spéciaux et tout, les trucs qui sortent un peu des normes. Bref, aujourd'hui, vidéo. Qui va vraiment être fun, enfin, en tout cas moi je prends du plaisir quand je fais des vidéos avec vous. On va faire l'intégralité du chapitre 23 en version EX, donc dans le mode History Mode, mais en Extra Quest toi. Ouais. Voilà, et ici je voulais vous montrer le petit Event Legend Bonus, qui est pas si petit que ça parce qu'il dure pas loin de 2 semaines, il dure 12 jours en tout. Et ces temps-ci sur le jeu il y a pas mal franchement, il y a pas mal d'Event Legend Bonus qui se jouent en même temps. Il y en a un autre aussi, il y avait celui de Kagao il y a pas longtemps encore. Voilà, je crois qu'il y en a 4 en même temps pour l'instant, mais je voulais vraiment vous montrer celui-ci. Et là, je crois que je l'avais déjà, Old Master A. Et je sais pas, si jamais il y a des débutants ou tout simplement des gens qui ne le sauraient pas. Quand on voit la petite image comme ça, avec le titre d'un personnage, c'est pas que vous obtenez le personnage, c'est que vous obtenez son image. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre en bannière, quoi. Enfin, le bannière, c'est pas le bon mot à utiliser, vous pouvez le mettre en fond d'écran de votre jeu, quoi. Je crois qu'on m'avait compris. Enfin, bref, c'est bien qu'il y ait pas mal d'Event Legend Bonus en même temps. Il y a quand même en tout, si on totalise tout, il y a quand même beaucoup, vraiment beaucoup de listons à gagner. Pas mal d'autres objets intéressants aussi. Donc voilà, c'est un petit truc que je voulais vous montrer comme ce début de la vidéo, les amis. Sinon, j'espère vraiment que vous avez la forme. J'espère que c'est le feu pour vous dans votre vie, etc. Et on a ce personnage-là qui est arrivé tout récemment sur le jeu. À peu près depuis le début du Zodiac Fest. Donc depuis le 28 janvier à peu près. Donc c'est Pandore en version Lost Canvas tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà réussi à obtenir ce personnage via le Zodiac Fest. Enfin à l'heure où je tourne la vidéo, là je la tourne, nous sommes le dimanche 31 janvier 2021. Je vous dis l'année, on sait jamais qu'il y a des gens qui regardent la vidéo 25 ans après là. Voilà, comme ça je vous montre un peu. C'est un autre Event Legend Bonus, il y en a d'autres quoi. Mais c'est bien parce que c'est toujours gratuit quoi, même si des fois il y a des minuscules récompenses, il vaut mieux les prendre les amis. Comme d'habitude, nous allons faire les petits trucs au faux début de la vidéo, à savoir un Athénas Miracle. Après on ira faire un tour dans la boutique. Puis on ira faire nos deux singles, Simple Invocation. Alors dans la shop on va tout dévaliser. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Enfin, je pense que vous savez, vous l'avez remarqué. N'hésitez pas à faire de même, même pour les amateurs, pour les débutants plutôt. Que là, votre taux d'Athénas Quen, votre capital d'Athénas Quen augmente très très vite. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ici de concret? On va acheter ça. Après, il nous reste 266. Voilà, on va acheter Libra Ring, même si on en avait déjà 209. Ah, c'est la boutique ici. C'est rare, les amis, quand j'ai des guild Quain. C'est peut-être parce que je viens de faire un événement qui est en lien avec la guild. Là, je viens de tester hors vidéo, bien sûr. Un tirage, enfin un tirage que je raconte moi, je vais tester tout simplement un niveau du 7-6 Conquest. Et encore, j'en ai vraiment à souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés sur la guilde il n'y a pas longtemps. 4 nouvelles personnes sont arrivées sur la guilde il n'y a pas longtemps, ça fait plaisir. Donc, je souhaite la bienvenue, on sait jamais que ce soit des abonnés, voilà. Vous regardez la vidéo, petit coucou à vous. Alors ça peut être pas mal. Fighting Spirit, ce qui permet d'activer le 7ème sens. Du coup, là, les personnages ici, ils sont un peu trash, ou du moins, ils sont tous dépassés, quoi. Je veux dire, les 3 personnages qui nous sont proposés, Final Seiya Winged, etc. God Quain, on s'en fout, on a déjà des tonnes d'argent. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert, les espèces de cristaux, là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est vraiment ça que j'achète, moi. Bah voilà, je vais pas tous les acheter, parce que je sais bien que ça prend du temps, les amis. Après avoir acheté des dizaines et des dizaines de Fighting Spirit, je ne sais pas quoi là, je commence déjà à oublier le nom. On va se faire nos invocations.
En tout cas, les amis, jusqu'à maintenant, j'espère que la vidéo vous plaît. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à rester dessus, au moins jusqu'à la moitié, quoi. C'est jamais. Mais je sais bien, de toute façon, que les vidéos qu'un youtubeur, qu'une youtubeuse fait, ne peuvent pas plaire à tout le monde, fatalement. Petit essai gratuit ici aussi. Bah, comme toujours, quoi. C'est toujours un peu plus intéressant, mais bon. Pas folichon non plus. Alors, c'est quel personnage, Godclose Camus? Un trash, malheureusement. C'est quand même marrant, les amis, par rapport à la logique de puissance qu'il doit avoir par rapport au manga, à l'anime. Les armures Godclose, qui sont des armures d'or de base, c'est bizarre que les personnages qui soient d'or soient des trash quand même. Regardez, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de listones pour invoquer sur la Zodiac Fest. Donc, je crois qu'on invoquera ensemble sur la période 3, les amis. Bon, on pourra faire qu'une invocation. Ou peut-être deux, ça dépendra si on obtient des holystones. Là, par contre, on va se faire une petite multi-invocation ici. Je sais bien que c'est pas forcément très intéressant, mais c'est toujours beaucoup mieux ça que rien, quoi. Après, on va se lancer en mode histoire. Pas mal, pas mal. Bon, écoutez, les amis, en mode histoire directement, là, et on refera une seconde et dernière multi-invocation de ce type vers la fin de la vidéo, tout simplement. Alors, le chapitre 23EX, il n'est pas extrêmement long, fait 6 niveaux. Niveau recommandé 102. On a quand même un niveau 109. Avant, je me souviens, on écrasait sans problème les adversaires dans le niveau EX. Mais là, ça commence à se rapprocher, le niveau requis du niveau que j'ai. Je veux dire, il monte plus vite par rapport à mon avancement dans le mode histoire, par rapport à la vitesse où j'avance, que mon niveau actuel. Non, peut-être au chapitre 25, 26EX, peut-être je vais commencer à bloquer, faudra que je vois. As a man, comme un homme. Même si mon équipe est actuellement assez correcte, on peut vraiment l'améliorer là. On va virer Rasgado du taureau et le petit Libra Godclose Shiryu ACE. On va remettre Io de skill là. On va mettre ici un spectre. Un spectre qui est assez fort, mais apparemment, quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, un petit coucou à cette personne-là. J'espère qu'il se reconnaîtra dans la vidéo. Et apparemment, il faut mettre un autre spectre pour qu'il soit vraiment efficace. Pour qu'il soit plus résistant et tout. Ouais, donc, quel personnage que je vire, moi. Je crois que Io, il est moins fort que Ryuho du dragon Omega. Du coup, c'est lui qu'on va enlever. Ben voilà. Ma nouvelle équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me dire s'il y a peut-être une meilleure que j'aurais pu mettre à la place. Ça fait plaisir de remettre Mew du papillon. Un spectre qui a actuellement un assez bon personnage. Il était dans mon équipe la meilleure il y a peut-être un ou deux mois d'ici. Mais comme j'avais gagné entre temps des personnages plus puissants, mais il s'est fait remplacer assez vite. C'est vraiment un de mes personnages préférés. C'est un spectre, mais on dirait pas trop un spectre. Regardez, son armure, elle est pas du tout foncée, quoi. Il a juste un habit foncé. Son armure, elle est verte et orange. Voilà, son armure est faite de couleurs chaudes. C'est vraiment un spectre tout particulier. Et ce personnage-ci aussi. C'est un des trois juges des enfers en version OCE. Oula, Geki de l'ours, il est en train de souffrir, hein, le martyr, là. Donc c'est Minos en version OCE. Minos du Griffon, si je me trompe pas. On va tester son attaque toute seule pour voir s'il marche bien. Bah écoutez, j'ai pas l'impression que c'est très puissant. Apparemment, pour que ça soit vraiment efficace, faut qu'il ait l'aide d'un autre spectre. Blam! Voilà, on n'a pas eu de difficulté pour terminer ce niveau. Il n'y a pas eu de barrière comme il y a eu certaines fois dans d'autres vidéos qui nous ont bloqué pendant 3 heures. C'est bien ça. Franchement, belle équipe, en tout cas au niveau esthétique. On passe directement au prochain niveau. Le retour de Shaka de la Vierge, Gold Saint. Blazing Rage. Blazing, je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Et la rage, c'est la rage, la colère, la fureur. Quelque chose ainsi. Second level.
on peut voir que Mew du papillon, il nous dresse des barrières un peu rectangulaires, carrées là. Jaune translucide là. C'est des barrières de quel type déjà? Je crois que c'est des barrières physiques. Pour l'instant, on a l'impression que cette équipe-ci marche moins bien que l'autre. Mais c'est vraiment juste une impression parce que la difficulté a vraiment monté de gros cran depuis la fin du chapitre 23 en version classique. Et ici, le chapitre 23 EX. Parce que justement, c'est des chapitres en version extra bonus, du coup, la difficulté monte. Bon, allez, dernière partie du combat, on utilise tous nos pouvoirs. Ah, ils sont bien fait exploser. Franchement, je trouve mon équipe assez puissante, les amis. N'hésitez pas à nous dire quelle est ou même quelles sont vos équipes les meilleures en commentaire. Ça peut toujours être intéressant. Alors, troisième niveau, Golden Collision, la collision dorée. Allez, Sorikido, c'est eux. Mew du papillon, aidé de son spectre, on va voir s'il marche bien à deux. En même temps, il n'y avait qu'un personnage trash à tuer. Un seul personnage, quoi. Du coup, le test, là, il est pas encore trop bien réussi. Écoutez, les prochains niveaux, on va essayer d'utiliser principalement les attaques des deux spectres pour voir si vraiment ils vont bien ensemble, histoire de faire un test, quoi. Voilà, là, on va juste utiliser Minos avec Mew. Ah, ils vont bien ensemble, j'ai l'impression. Bon allez, le petit mou du bélier, là, il va pas résister face à Ryuho, qui est actuellement le plus puissant de mes personnages, je pense. Allez, les deux spectres, encore une fois. Écoutez, ça a bien marché, là, quand même. Bon, là, on va utiliser toutes les attaques chargées skill qui nous restent, histoire de vraiment terminer ce niveau. Et Belém. Ah non, pas encore. Maintenant, Ryuho avec Mew du papillon. Ils vont pas très bien ensemble, manière des valeurs et tout ça, mais bon, pas grave. Attendez, il était même pas mort, en fait. Allez, Minos, termine-le, achève-le. Eh ben, il y a des personnages plus résistants qu'on ne le pense, les amis. Perfect. Ouais, on a fait la moitié, là. Encore 3 niveaux, puis après, les amis, ce sera tout doucement la fin de la vidéo. Mais pas sûr, si on n'y est pas encore. Il y a de quoi de profiter jusqu'à ce moment-là. Cette fois, c'est le retour de Aldebaran Gold Saint du taureau. Shaking Sanctuary, le sanctuaire désordonné, le sanctuaire, c'est le moment où le sanctuaire il a subi la collision de deux Athena Exclamation, donc ça se résume à la puissance du Bing Bang à petite échelle, c'est quand même gigantesque. Donc pour, enfin bref, je vais pas lire le résumé, on risque de me tromper, voilà, donc le titre ça veut dire ça normalement. Pour le coup, on vient d'utiliser 0 charge skill pour cette première partie de combat. La première partie de combat, souvent, les amis, pour ceux qui l'auraient peut-être pas conscientisé, c'est celle où les adversaires sont le moins puissants. Ça me paraît logique. Dans les jeux vidéo, c'est le plus facile ou le plus dur en général. Sauf peut-être dans les vieux jeux de la Super Nintendo, de la Nintendo tout simplement. Allez, Mew du papillon, avec Athéna pour le coup. J'ai un Andromède là, qui était du côté des méchants qui venait d'être tué. Ça me fait rire, moi. Allez, leurs deux attaques combinées. Franchement, c'est vraiment, pour l'instant, je crois que dans tout le jeu,
L'attaque de Mew, c'est mon attaque préférée. Il envoie une espèce d'arc-en-ciel. Ça fait penser un peu à la tranchante Excalibur, vous voyez, l'espèce de mur qui se forme ultra vite là. Ok, les amis, on a fait les deux tiers, il nous reste deux niveaux à faire, on ne relâche rien. Niveau de difficulté recommandé 103. Ariashiki. Ariashiki, c'est le 8ème sens. Le sens qui dépasse le 7ème sens. Mais voyez, il y a plein vraiment de titres qui se répètent par rapport à chacun des chapitres en version normale. Par exemple, dans le chapitre 23, version classique, mode histoire, il y avait déjà eu ce titre-là. Je sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà conscientisé. Ça s'est plutôt bien passé là. Allez, encore les deux spectres en même temps. Les deux confrères. Ouais, leur attaque a pas extrêmement bien marché. Ryuho à la rescousse va terminer le travail de cette deuxième partie de combat. Voilà, il a fait une espèce de mini tremblement de terre du dragon. Et là, franchement, leur attaque combinée, ça a bien fonctionné. Ah, le petit Minos qui termine à l'avant, là. Je l'attendais depuis un moment, celle-là. Franchement, ce personnage-là, il est bien, mais par contre, il ferait vraiment bien d'aller chez le coiffeur, là. Regardez, il y a ses cheveux qui lui tombent devant les yeux, là. L'image ici au milieu, on voit bien... on voit pas ses yeux, par contre, le petit carré, on voit la miniature de ce personnage, on voit qu'il a des yeux, là. Allez, on va passer à the last level of this video, les amis. Ah non, friends plutôt, comme je commence à parler anglais. Autant continuer. Freedom from suffering. Donc comme je l'ai dit il y a quelques minutes, comme les titres se répètent, ce titre-là, j'avais pas trop su, je savais pas du tout ce qu'il voulait dire. Donc dans la dernière vidéo. Mais là non plus, je sais pas ce qu'il veut dire du coup. Voilà, bref, on va faire ce niveau, on va les écraser les amis. On a les trois renégats qui sont là. Enfin, ils ont été considérés comme des renégats, mais on sait très bien que ça ne l'est pas. Ils ne le sont pas. Ils ont trompé leurs amis, leurs alliés, pour tromper Hades. Tromper ses amis pour tromper ses ennemis, comme on dit. Vous savez, pour les fans, pour ceux qui connaissent en tout cas le chapitre d'Hades, de Saint Seiya. Saga et tout ça, même Aphrodite et Masque de Mort, ils étaient du bon côté. En tout cas, dans leur cœur, dans leur esprit. C'est juste qu'ils jouaient un petit jeu d'acteur, là. Bon allez Ryuho, sauve-nous la situation. Voilà. Ils ont été tenus en laisse, entre guillemets, par Mew du papillon, si je me trompe pas. Et après, Ryuho, il a explosé et tout. Bon allez, là, on va se venger. On va pas utiliser que les attaques des deux spectres. Dernière partie, dernier combat de la vidéo, on les écrase. Les amis, j'avais dit qu'on les écraserait. Allez, Ryuho, épate-nous. Ça va, il a fait son devoir. Hein. En plus, il pose à l'avant en termes de héros. C'est lui le dernier à avoir attaqué, c'est logique en même temps. Perfect. Ok les amis, donc cette vidéo touche vraiment très bientôt à son terme. On va voir, je pense qu'on va encore faire une multi-évocation pour cette fin de vidéo, histoire qu'il y ait un peu plus de fun encore. Prochaine vidéo sera consacrée au Zodiac Fest de Pandore en version Lost Canvas. Donc voilà, soyez nombreux. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les vidéos de multi-invocation, d'invocation, spécialement, tout particulièrement des Zodiac Fest. Donc voilà, si vraiment la vidéo vous intéresse, elle sortira à l'heure où je parle dans quelques jours, quoi, vers le 2-3 février. Quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on va plutôt invoquer sur la période 3 du Zodiac Fest. Peut-être que ce sera la 2, mais on verra. Bref, allons donc faire cette multi-invocation de fête vidéo. Tant qu'à faire, comme c'est gratuit, on va se refaire une petite simple invocation dans la Queen Gacha.
Eh ouais, les amis, je sais bien que ça s'apparente un peu à du caca, vous voyez. On va dire ça comme ça, ce genre d'invocation. Faut dire les choses comme elles sont, mais quand c'est gratuit, on prend, je suis désolé. Bon, non, j'ai pas envie d'écrire. J'ai pas envie d'écrire si j'aime bien le jeu et, quoi, et tout. Surtout, il demande d'écrire sur Google Play Jeu, sur Google Play Store. Notre avis. Bah, sauf que le jeu est plus disponible sur Google Play Store, donc on peut pas en fait. C'est un peu illogique de leur part, ils devraient enlever ça. Mais il est plus disponible sur Google Play Store, j'ignore si c'est qu'en Belgique ou si en France ça va encore. Pour les gens qui voudraient vraiment jouer, qui sont sur Android, à Saint Seiya Cosmo Fantasy, à ce jeu-ci, je vous donne un tuyau, c'est jamais qu'il y en a qui regardent la vidéo qui se pose la question. Téléchargez via Google, via Internet, coup app, je vous mets l'image à l'écran, une image à l'écran. Et donc voilà, c'est vraiment grâce à ça que vous allez pouvoir télécharger le jeu. Et voilà, le jeu ne va pas comprendre que vous êtes en Belgique. Voilà. Ou que vous êtes en Belgique ou dans le pays où vous êtes. Bon bref, les amis, c'était Supraworld. J'espère vraiment que vous avez adoré ou en tout cas aimé, apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et aussi à donner votre opinion en commentaire. Je le répète, même si en général c'est très rare que ça arrive, si jamais il y a des opinions négatives, faites vraiment en sorte qu'ils soient constructifs, quoi, je préfère le rappeler. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre ma guild. Je vous continuerai pendant longtemps à vous mettre l'idée de ma guild en début de vidéo pour les joueurs intéressés. Nous, on va se dire à la prochaine, les amis. Continuez à bien vous porter, à profiter de la vie, à prendre soin de vos proches, etc. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao !